Alors, j'ai commencé le métier de sellier par la passion des chevaux. Ça m'intéressait depuis toujours. Et puis, les cuirs, tout ce qui était autour du cheval. Et c'est par cette raison que j'ai commencé ce métier-là. Alors, j'ai fait un apprentissage de 3 ans à Romanelles-sur-Lausanne chez Monsieur Meistre. Et j'ai continué ma formation en partant en Suisse allemande à Gossau, chez Monsieur Spierig, où là j'ai appris la spécialité vraiment de faire les selles. Ceci est un harçon, c'est la base de la selle. À l'intérieur de chaque selle, nous avons un harçon qu'on modèle sur mesure selon le dos et la morphologie du cheval. Donc j'ai du cuir d'ameublement suisse et puis le reste c'est du cuir anglais. Alors le couteau de mille-lunes, c'est le couteau du sellier. Il porte son nom de mille-lunes en raison de sa forme en demi-lune. C'est un couteau très polyvalent qui nous permet de couper le cuir de diverses manières. Voilà. Alors là, c'est une couture à la main de sellier. Il y a encore énormément de coutures qui se font qu'à la main parce que on ne peut pas passer malheureusement partout avec la machine. Alors là, je suis en train de bourrer les coussins avec de la laine. On travaille avec la laine comme matelas sûr pour la simple et bonne raison, pour nous, c'est beaucoup plus facile d'adapter au cheval car on peut mettre plus ou moins de laine où le cheval en a besoin. Alors, l'entreprise actuelle a été fondée en 2005. Nous avons déménagé en 2010 pour venir ici à Boussan. Actuellement, j'emploie un employé, un apprenti et une employée à 40%.